et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les coloriages mystères trompe-l'œil. On vous en avait parlé dans une vidéo et du coup, on a trouvé des livres de coloriage mystères trompe-l'œil. Moi, c'est sur le thème de princesse. Par exemple, là, on voit... comment il s'appelle? Attends. On voit lui, c'est comment? C'est le poisson, Polochon. Oui, Polochon, et après, en fait, c'est Ariel derrière. Voilà, je vais montrer un exemple. Par exemple, là, on voit la méchante sœur de Cendrillon. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mystère. Là, on voit le génie d'Aladin. Là, on voit un prince, un jeune homme. Ok, bon, bah tu vas colorier? Oui. Allez, c'est... C'est parti. J'ai fini. Donc, et derrière Polochon se cachait Ariel. Donc ça fait drôle, maintenant c'est Polochon qui est en arrière-plan d'Ariel. Mmh. Alors qu'avant c'était l'inverse. C'est ce qu'ils appellent des trompe-l'œil. Bon, on en fera de temps en temps. Voilà. Moi je trouve que c'est bien. Ah mais c'est plus compliqué, il faut se concentrer parce que des fois avec les lignes... Hein, ouais. Parce que Polochon il est bien enfoncé. Mmh. Bon. Bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Goodbye.